Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui donc on va voir l'installation de Windows 10 sur un iMac partir d'un Windows 7. On va passer donc grâce à un logiciel qui s'appelle donc Media Tool. Je vous mettrai les informations de ce logiciel sous la vidéo. On va donc pouvoir directement passer démonstration. Voix Fusion, Windows 7, sur VMware Fusion. Menu démarrer. Comme vous l'entendez, on a bien NVDA qui fonctionne ici. Bureau liste. Media Creation Tool 7 sur 7. Media Creation Tool. Je vais le valider. Bureau sécurisé. Voilà, donc il nous demande la fenêtre comme d'habitude l'autorisation d'installer Media Tools. Je l'autorise. Programme Manager non disponible. Arrive donc la fenêtre. Installation de Windows 10. Que mettre à niveau ce PC maintenant. Créer un support d'installation pour un autre PC. Un suivant. Téléchargement de Windows 10. État d'avancement, 0%. Voilà, donc on va laisser faire le téléchargement de Windows 10. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis assisté de NVDA. État d'avancement, 11%. État d'avancement, 21%. Alors actuellement, je vous ai mis en très gros sur l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Installation de Windows 10. Téléchargement de Windows 10. Alors donc, comme vous pouvez le voir, on est bien sur un Finder. Système. Finder, bureau, partie Mac, de bureau, partie d'accord. de .mp4, vidéo ici, mp4, exemple, espace dans le file, barre des menus, Apple, voilà menu de à propos menu de ce Mac, préférence, système.appstore.sus, éléments récents, sous menu. Voilà donc, fermeture du menu, partie de .mp4, vidéo mp4, voix fusion. Se fait sur la partie VMware Fusion. Voix fusion, bureau, Windows ici, 7, fenêtre. Voilà. Et l'assistance de NVDA est bien utile puisque on va pouvoir se faire lire les boîtes de dialogue sans problème avec installation de Windows 10 dialogue. Dialogue téléchargement de Windows 10, vous pouvez continuer à utiliser votre PC. État d'avancement, 48%. On est bien assisté, malgré une déficience visuelle, on peut quand même avoir la main sur la boîte de dialogue en question. Sans titre bloc-notes. O N O U espace A S O U S P E S espace P E O N E S espace S U S P A S C A A I I I E espace Y O U T U B E espace. Bonjour à toutes les personnes sur la chaîne YouTube. Donc vous voyez, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Bloc note dialogue, voulez-vous enregistrer les modifications de ne pas enregistrer bout installation de Windows 10 dialogue. Dialogue téléchargement de Windows 10, vous pouvez continuer à utiliser votre PC. État d'avancement, 51%. Je vais grossir pour les personnes malvoyantes, pour qu'elles puissent voir ce qui se passe sur l'écran. Vous voyez donc, on est à 52%. État d'avancement, 97%. Voilà, donc on est pratiquement à la fin du téléchargement du système d'exploitation Windows 10. Ensuite, il va donc passer à l'initialisation et vérifier la version. État d'avancement, 99%. Vérification du téléchargement. Création d'un média Windows 10. État d'avancement, 12%. État d'avancement, 18%. L'avantage d'installer Windows 10, c'est que l'on va bénéficier de Cortana. Cortana, l'assistant vocal de Windows. Ou, si vous êtes justement équipé d'un Windows Phone, vous allez pouvoir, par le biais de votre agenda, faire la synchronisation et avoir vos rendez-vous qui synchronisent automatiquement. Puisque grâce à votre Windows Phone ainsi que votre Windows 10, les synchronisations vont se faire très simplement. L'installation donc de JAWS 17 est complètement compatible avec donc NVDA. Actuellement, NVDA m'aide à l'installation de Windows 10. On peut donc toujours travailler avec notre Mac, éventuellement même ici sur notre Windows. Menu démarrer. Voilà, tout en faisant la mise à jour de notre Windows 7. Alors je ferai par la suite une vidéo avec les mots-clés Cortana, avec la navigation du narrateur Windows 10. État d'avancement, 100%. Bureau. Préparation, 22%. Préparation, 26%. Donc là, maintenant, on est en train de faire la préparation pour l'installation de Windows 10. Préparation, 32%.
Obtention des mises à jour. Recherche de mise à jour. Bureau. Nous préparons certains éléments. Ici on arrive. Terme du contrat de licence. Là je tabule. Refuser bouton Alt. Accepter bouton Alt plus A. Donc là je fais des tabulations tout simplement. Donc accepter, je fais espace. Espace. Enfoncer. Obtention des mises à jour. Recherche de mise à jour. 0. Obtention des mises à jour. Cette opération peut prendre quelques minutes. Recherche de mise à jour. 0%. Vous voyez, tout est vocalisé par rapport à l'installation de ce Windows 10. Ici, j'ai mis en très gros sur l'écran. Recherche de mise à jour. 11%. Vérification que vous êtes prêt à effectuer l'installation. Cette opération va durer plusieurs minutes. Patientez. Donc on peut vocaliser avec NVDA toute l'installation. Vérification que votre PC a suffisamment d'espace. Dialogue prêt pour l'installation. Vous ne pourrez pas utiliser votre PC durant l'installation de Windows. Enregistrez et fermez vos fichiers avant de commencer. En résumé, vous avez choisi de procéder comme suit. Installer Windows 10 professionnel. Conserver les fichiers personnels et applications. Modifier les éléments à conserver bouton. Précédent bouton Alt. Installer bouton Alt plus S. Et on est prêt pour l'installation. J'ai fait tabulation. Jusqu'au bouton installer. Espace. Installation de Windows 10. Votre PC va redémarrer à plusieurs reprises. Cette opération peut prendre un certain temps. 41% effectué. J'espère que jusqu'ici la vidéo vous plaît. Aujourd'hui 355 abonnés que je remercie énormément. J'espère que mon travail vous plaît. J'espère que d'autres abonnés viendront par la suite. 80 vidéos sur la chaîne. Votre PC va redémarrer dans quelques instants. Barre de tâche. Voilà, donc le PC redémarre. On est sur la fenêtre Windows. Alors là, on n'a pas d'accessibilité par rapport à NVDA puisque on est en arrière-plan sur un redémarrage de Windows. Mémoire Fusion redémarre. On a donc la fenêtre de Windows bleu. Donc la mise à niveau, on est actuellement à 2%. Il n'y a qu'à cet instant où on n'a pas d'assistance. Windows 7, fenêtre. D'NVDA. Donc pas de possibilité de savoir où en est-on avec l'avancement. La fenêtre se compose d'un fond noir avec des écritures blanches, en son centre un rond, avec les pourcentages qui défilent en très gros, donc en inversé, en fond noir, écriture blanche. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires lorsque je fais des vidéos, c'est très intéressant lorsqu'on échange ensemble, donc c'est vrai que en laissant des commentaires, on peut échanger sur la façon de faire, comment je peux éventuellement vous donner des conseils si je le peux et même éventuellement en recevoir de vous. L'échange est très important lorsqu'on a une chaîne YouTube comme ça avec ses abonnés. Le PC vient de redémarrer, redémarre sur VMware. Il vient de réapparaître avec 30% de chargement 32. Et de 42, on passe à 71%. Le PC redémarre une seconde fois. 99%. On est donc arrivé sur un Windows 10. On me demande de taper mon mot de passe. Simplifiez votre utilisation de l'ordinateur. Windows lira et parcourra cette liste automatiquement. Narrateur. Entendre la lecture à voix haute du texte à l'écran. Loop. Grossir les éléments à l'écran. Clavier visuel. Taper sans le clavier physique. Contraste élevé. Afficher les couleurs avec davantage de contraste. Touche rémanente. Appuyez sur les raccourcis clavier une touche à la fois. Touche filtre. Si j'appuie plusieurs fois de suite sur volet, configurer Windows, bouton utiliser la config suivant, bouton mise à jour. Le PC redémarre sur la fenêtre Windows bleu avec toujours le petit rond. Préparation de votre PC.
Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas votre PC. Cette opération ne va pas prendre longtemps. Installation de vos applications. Nous nous occupons de certains points. N'éteignez pas votre PC. Encore quelques modifications. Préparation de votre PC. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas votre PC. On est donc sur les dernières phases d'installation. Comme vous venez de l'entendre, on a réussi l'installation de Windows 10. Windows. J'ai mis en très gros le menu démarrer. D'ailleurs, j'entends le narrateur qui a quelque chose à vous dire. Merci d'avoir participé à cette installation et à très bientôt sur ma chaîne voilà, YouTube donc, sélectionnée. Comme elle vient de le dire, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a éventuellement donné envie de mettre Windows 10 ou pas. C'est votre choix. Moi, pour ma part, j'ai décidé de le mettre et j'ai aussi décidé de vous faire pas mal de vidéos sur l'accessibilité narrateur Loop ainsi que Plage Braille, JAWS, NVDA, pas mal de choses. D'ailleurs, sur les nouvelles générations de scanners avec le Pearl, OpenBook, voilà donc beaucoup de vidéos qui vont arriver. Je vous remercie encore beaucoup. N'hésitez en aucun cas à me mettre des commentaires sous la vidéo. Pour que l'on puisse discuter ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt sur ma chaîne. Salut !